Boucherville était l'hôte de l'entraînement public en vue du gala du 6 décembre prochain, mettant en vedette Jean Pascal et l'Argentin Roberto Balonti, qui aura lieu au Centre Bell. Plusieurs personnalités de la boxe étaient d'ailleurs sur place. J'en ai profité pour recueillir quelques commentaires. Ça va être un excellent combat. C'est un combat qui est extrêmement important pour Jean Pascal, parce que s'il gagne, il va avoir la chance de se battre contre Sergey Kovalev en championnat du monde au mois de mars. Le combat, ce ne sera pas un combat facile. Puis Jean, ça fait quand même un an qu'il ne s'est pas battu. Ce retour-là est vraiment, vraiment crucial pour la suite de sa carrière. J'ai l'impression que Jean va devoir travailler fort pour l'emporter, mais il va devoir également trouver une façon d'éviter la rouille du début de combat. Outre Jean Pascal, on verra d'autres Québécois à l'œuvre, dont Junior Ulysse, Schiller Hippolyte, Bogdan Dinou et David Théroux. Voici d'ailleurs les prédictions en vue de la finale. Bien, je pense que j'attends une performance dominante de la part de Jean. Volonté, c'est quelqu'un de très coriace, qu'il ne s'est jamais fait arrêter. C'est un gars solide, fait que nous, on a préparé pour 10 rondes. Si ça va à la limite de 10 rondes, je m'attends à une performance dominante de la part de Jean. Bien, Jean-Pascal va gagner. Je pense que ça va être un combat qui va être assez long quand même. Volonté, c'est un gars qui est très, très résistant. Je m'attends à un combat où ce que Jean va remporter par décision. Je pense que Jean-Pascal va l'emporter, mais par décision unanime au bout de 12 rondes. Quand même très, très acharné de la part de Jean-Pascal. Puis j'ai l'impression que Jean-Pascal va nous donner un très bon combat. C'était un reportage de Martin Rivet.